Je cherche une autre femme, c'est une femme d'amour qui a rapport avec le nom Maïmouna. Je veux prier avec vous. I want to pray. À vous, c'est Maïmouna. Dis Maïmouna. Maïmouna, c'est Maïmouna, c'est votre ami. Vous, Samira, c'est qui? Who is Samira? C'est votre ami. Elle est où? Where is she? Là-bas au nord, où au nord? Where in the north? Elle est à Garoua. Je vous ai vu avec une jeune femme qu'on appelle Marie. I saw you with a young woman called Marie. Oui, papa. Je vous ai vu avec une jeune femme. I saw you with a young lady. Qu'on appelle Marie. Marie. Called Marie. J'ai vu une jeune femme, Marie. C'est comme Marie. Un projet en rapport avec vos, ce que vous faites là. Hein? Like oui, quelque chose comme ça. Oui, papa. Et c'est une fille qui a eu le rapport avec coiffure qu'on appelle Marie. J'ai ma collègue aussi qui s'appelle Marie. D'accord. Vous avez connu une femme qui s'appelait Adama. Adama. Vous avez une femme comme Adama. Hein? Vous avez une Adama. Oui. Comme une oui. amie à vous. Adama, like a friend of yours. Hein? I saw you with a young. C'était comme une amie à vous. Adama. Like a friend of yours, parce que vous avez deux grandes amies à Garoua. Il y avait Aishatou et Adama. Oui. C'était vos deux amies. Oui. Your two friends. Hein? Oui. D'accord. All right. Vous avez déjà connu qui qu'on appelle Serge. Oui papa. Hein? Oui papa. Un ami. Il est où? Where is he? Il est marié. Adama, Adama. Adama. Avec un gars qu'on appelait Amadou. C'était son copain, Mouigal. Oui. Ah c'est ça? Oui. Et c'est ce que je dis est vrai. Is what I'm saying true. Adama avait un garçon qu'on appelait Amadou. Adama had a vous connaissez Amadou là? Amadou. Il y a un troisième que j'ai vu son nom c'est ça par B. I saw his name. Ah, j'ai vu que c'est comme ça qu'on se perd, Non. C'est qu'on se perd, Bertrand, sauf que la vie, c'est Bertrand. Il y a Bertrand, mais... Ah, il y a aussi Bertrand, papa. Mais il est lent en causerie, il est lent. Bertrand. C'est, attendez, je vois une femme avec Michael, Michael. I say over Michael. Ça, Michael. C'est une communication. Michael, Michael. C'est communication. Michael. 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 Ah, c'est votre correspondant. Oui, papa. On l'appelle comment? Michael. D'accord, c'est de vous que je parle. On va arranger ça. Amen. Calmez-vous. Papa. Est-ce qu'il y a un garçon qui vous aimait qu'on appelait Abdou? Hein? Oui, papa. Est-ce que vous pensez encore à lui aujourd'hui? Oui. Vous savez Aïe? Do you know Aïe? Est-ce que vous savez Aïe? Do you know Aïe? Aïe, oui. Oui, mon père. Hein? Oui, mon père. Elle est où? Elle est à la brique. J'ai vu que c'est comme Frédéric. Hein? Comme Frédéric. Oui, ça Frédéric. Oui, Frédéric, c'est aussi en français. Hein. Votre nom, c'est... What is your name? Salamatou. Salamatou. C'est Salamatou. Salamatou. Tiaï, c'est quoi? Tiaï, c'est mon mari. Bon, vous aussi qui connaissez Abiba? Who do you know like Abiba? La femme qui avait mon mari. La femme qui avait votre mari. On l'appelle comment? Abiba! Abiba. C'est une autre femme, c'est une femme d'amour qui a rapport avec le nom Maïmouna. In relationship with the name Maïmouna. Je veux prier avec vous. I want to pray. À vous, c'est Maïmouna. Oui, Maïmouna. Maïmouna. Maïmouna, c'est monsieur. Maïmouna, c'est votre ami. Oui, your friend. All right. Écoutez, le Seigneur vous aime. Listen, the Lord loves you. Vous avez une soeur qu'on appelle Maïmouna. You have a sister called Maïmouna. Oui, papa. Vous avez une sœur qu'on appelle Maïmouna. You have a sister called Maïmouna. Je vous ai vu grandir ensemble. I saw you avec cette Maïmouna. With this Maïmouna. Oui, c'est comme une cousine à vous. She's like papa. A cousin of yours. Voilà pourquoi je parle de sœur. That's why I'm speaking of oui, sister. Hein? Je vous ai vu. I saw you ensemble dans votre jeune âge. In your youth. Oui, papa. Avec cette Maïmouna. With this Maïmouna. Oui, vous souvenez d'elle? Do you remember oui, her? Oui, Maïmouna. On a elle est où? Where is she? Je ne sais même plus là où elle est, mais quand il y a cérémonie en Fumban, on se croise toujours. Votre famille est détruite. Your family is destroyed.
Vous-même, votre vie est détruite. Your life is equally destroyed. Et il y a un esprit qui a été jeté contre vous. And there was a spirit that was thrown against you. Les esprits de mari de nuit. Il y a un esprit puissant. There is a powerful spirit que le diable a mis derrière vous. The devil has put behind you. Et toi, démon, sa mission, c'est de se rassurer que vous n'êtes jamais lié. Que vous ne soyez jamais stable, dans vos relations. In your relationship. C'est vrai, papa. Et votre vie and your life, sentimentale est un combat. Life is a battle. Hein? Oui, papa. Votre vie sentimentale est un combat. Is a battle. Mais le Seigneur veut vous sauver. But c'est la nuit de la vie. T'as ce qui? Who is this? Son père est où? Where is his father? Et vous êtes où? And where are you? Son père est chez lui, vous êtes chez vous. Petit frère, ils sont partis en fumbat. Vous avez combien d'enfants? Deux. Vous avez deux enfants. Comme dans son père. Vous avez deux enfants. Oui, avec papa. Un père. Un père. Oui, papa. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Why are you not more papa, les problèmes. Les problèmes. Oui. Papa joue. J'ai vu Saïdou et Adamou. I saw Saïdou and Adamou. Adamou. Lorsque vous étiez jeune, il y a un jeune homme qui s'est intéressé à vous. There was a young man appelé Saïdou. Lorsque vous envoyez, vous reveniez sur Saïdou. Et puis, oh, that's Saïdou. Ça va? How are you? Comment tu vas? Oh, vous étiez encore une jeune femme. Oui, papa. Vous connaissez bien votre famille. Do you know your family very well? Oui, papa. Lorsque vous étiez jeune, à l'âge de 16 ans, at the age of 16, il y a un jeune homme qui s'est intéressé à vous qu'on appelait Saïdou. Ou c'est Shuaïbou. Who was interested in you? Et le jeune homme, si à l'heure où je vous parle, and that young man, at the time I'm talking to you, is encore à vous. Is still thinking about you. Et c'est quelqu'un qui va réapparaître dans and votre vie. And someone will reappear in your life. Je vous ai vu avec une jeune femme qu'on appelle Marie. I saw you with a young woman called Marie. Oui, papa. Je vous ai vu avec une jeune femme. I saw you with a young lady. Qu'on appelle Marie. Marie. God, Marie. J'ai vu une jeune femme, Marie. C'est I saw a young man, Marie. En projet, en rapport avec vos, ce que vous faites là. Hein? Like oui, papa. Quelque chose comme ça. Oui, papa. Et c'est une fille qui a eu le rapport avec coiffure qu'on appelle Marie. J'ai ma collègue aussi qui s'appelle Marie. Je vous ai vu avec une jeune femme qu'on appelle Marie. I saw you with a young woman called Marie. Oui, papa. Je vous ai vu avec une jeune femme. I saw you with a young lady. Qu'on appelle Marie. Marie. God, Marie. J'ai vu une jeune femme, Marie. C'est comme young man, Marie. En projet, en rapport avec vos, ce que vous faites là. Hein? Like oui, papa. Quelque chose comme ça. Oui, papa. Et c'est une fille qui a eu le rapport avec coiffure qu'on appelle Marie. J'ai ma collègue aussi qui s'appelle Marie. D'accord. Une collègue. C'est votre collègue? Oui, papa. Collègue. Ah? Oui, papa. Elle est où? Where is she? On s'est séparés, ça fait beaucoup de temps. Je suis partie dans un autre. Là où elle coiffe maintenant. Je suis dans l'autre. Ah. Je vous ai vu avec, quand vous étiez avec Marie. When you were with Marie. Après, quelque chose s'est passé avec votre travail. Something happened with your Les clients ont commencé à se disperser. Themselves. Oui, papa. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Vous n'avez pas compris. À l'époque où vous étiez avec Marie, il y a eu un problème à rapport avec une mèche. There was a relationship with une mèche qui avait disparu. Une mèche. Oui, papa. Qui avait disparu. Je ne sais pas si c'était une perruque ou quelque chose comme ça. I was with. Mais qui avait disparu. Pour vos affaires. From your things. Oui, papa. Et après la disparition and after the disappearing, de cette mèche, j'ai vu une touffe de cheveux. I saw her. Après la disparition, after the disappearance, vous avez commencé à voir des problèmes. Problems dans votre travail. In your work. Et à l'heure où je parle, and at the time I'm speaking, c'est pas ce que vous attendez. That's not what you're waiting for. Oui, papa. Vous avez un grand projet dans ce que vous faites. Project in what you vous avez un grand projet dans ce que vous faites. You have a great project in what you le voyage, c'est un projet. The journey is a meilleur projet que vous avez eu au Cameroun. A project you had in concernant Cameroon l'ouverture d'un centre de opening of a center complexe. Hein? D'un complexe. Vérité, papa.
Je n'ai pas pu. Un institut de beauté VIP. Oui, papa. Mais vous n'avez pas. Je n'ai pas pu. J'ai même lu la boutique. Le temps, l'argent que j'ai avancé, c'est fini. Le temps est passé. Je suis parti encore enlever mes choses dans la boutique et laisser tomber. J'ai vendu même les choses du salon pour pouvoir envoyer mes petites soeurs les problèmes à l'école. Vous n'avez plus de matériel. Oui, papa, j'ai tout vendu. Je me bats comme ça dans l'endroit que j'ai payé. J'ai payé une place à Mokoro. C'est là-bas que je crois maintenant. Vous avez déjà connu qui qu'on appelle Serge? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Un ami. Il est où? Where is he? Il est marié. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? On était là comme ça. Je me suis rendu compte qu'il jouait seulement avec moi. Il aimait une autre fille. Et c'est avec cette fille qui se sont mariés. On l'appelait comment? Oh, c'est cool. Il s'appelait Serge. Pardon. Serge. Hey. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Serge. À l'époque, vous étiez avec lui. Il y a quelque chose qui s'est passé avec des chaussures. There was something that happened to his shoes. Avec des chaussures. Oui, papa. Vous aviez acheté des ballerines. You bought me bleu. Color. Oui, papa. Color. Vous aviez acheté ça à Mokolo. You bought it at Mokolo. Vous étiez parti à Mokolo. You went to Mokolo. Acheter des ballerines. To buy ballerines. Oui, papa. Vous êtes entré dans le marché dans une boutique numéro 147. You enter in the market in the store number 147. Vous avez acheté les ballerines bleues. What? Blue, oui, ballerine. Papa. Après une ballerine s'est perdue. Hey! Elle vous est restée. Wow, papa! C'est vrai! La ballerine a disparu juste à la période où Serge voulait vous épouser. Où il était devenu sérieux avec vous. Voilà. La chaussure a disparu. The shoe disappeared. Mystiquement. Elle s'est retrouvée dans la maison d'un marabout. And found itself in the house of the doctor. Et c'est à cause de cette chaussure que vous ne vous êtes pas marié. Parce que lorsque dans la sorcellerie on a volé votre chaussure, il n'y avait aucun ange autour de vous. There was no angel around pour vous protéger. To protect et la chaussure a disparu et est partie. And the shoe disappeared. C'est marabout. To a witch doctor. Et c'est une femme qui a fait ça. And it's a woman pour vous séparer avec Serge et ça marche. To separate you from Serge and it worked. Écoutez, j'ai vu l'ange écrit quelque chose comme Patrick. I saw an angel writing something ah? Patrick. Oui, papa. J'ai vu dans écrit quelque chose Patrick. I saw an angel writing. J'ai vu dans écrit quelque chose Patrick. Patrick, oui, papa. Ah? Oui, papa. Vous connaissez quelque chose comme ça? You know something. Je connais Patrick. Il est à Paris, c'est un blanc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit du même. Papa, on cause beaucoup. Tout le vous temps. Causez, tout le temps. Oui. Ouais, maintenant, ne parle plus comme les Camerounais. J'ai vu Patrick. Écoutez la parole éternelle. Craignez Dieu. Craignez le nom de Dieu. Sanctifiez-vous. Si vous vous sanctifiez, la parole que je vous dis va s'accomplir. Amen. Mais si vous ne vous sanctifiez pas, rien ne s'accomplira. Amen. Vous venez. J'ai vu Patrick. J'ai vu un autre qu'on appelle Jean-Luc. I saw Jean-Luc. Oui, papa. Et Jean-Luc, c'est aussi un Français. And this Jean-Luc is also a Frenchman. Et j'ai vu Jean-Luc. I saw Patrick. Il y a même un troisième. There is even a third. Il y a un troisième que j'ai vu. Son nom, c'est ça par B. I saw his name. Ah, j'ai vu quelque chose, c'est comme c'est comme c'est Bert. Non. C'est comme c'est Bertrand, something like this. C'est Bertrand. Il y a Bertrand, mais. Ah, il y a aussi Bertrand, papa. Mais il est lent en causerie, il est lent. Bertrand. Maintenant, écoutez, Bertrand. Non,
Bertrand, c'est quelqu'un de bien. Je veux mettre lui de faveur sur vous. Mais Bertrand a un problème. Il a une fille qu'on appelle Sandra. Oui. He has a daughter called avec Sandra. Qui il est. You told me he is. Il a une fille qu'on appelle Sandra. A daughter called Sandra. C'est vrai, papa. Hein? C'est vrai. Il a une fille qu'on appelle Sandra. He has a daughter called Sandra. Et le problème. And the problem. C'est que Sandra pratique sur Bertrand. Sandra practices on the fire. Et vous, vous êtes ici pour la nuit de prière. And you are all night. Sandra va chez le marabout. Elle vient chez Jésus. Qui va gagner? Amen. Take Jesus. Connu une femme appelée Adama. 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 Hein? C'était Garoua. Comme une amie à vous. Adama. Oui. Parce que vous avez deux grandes amies à Garoua. Il y avait Aïcha Tou et Adama. Oui. C'était vos deux amies. Oui. Your two friends. Hein? Oui. D'accord. All right. Adama, Adama. Adama. Avait un gars qu'on appelait Amadou. Oui. C'était son Adama. Copain, Mouigal. Oui. Hein, c'est ça? Adama avait un garçon qu'on appelait Amadou. Vous connaissez Amadou là? Amadou. Amadou vous a dragué. Amadou asked you out. Il vous a dit qu'il vous aimait. He told you he loved you. Il vous a dit qu'il vous aimait. Il vous a fait la cour. Sans dire à Adama. Without telling Adama. Il vous a dit qu'il vous aimait. And he told you he loved you. Et il aimait Adama et il vous aimait aussi. He loved Adama and he equally loved you. Est-ce un garçon qui vous aimait qu'on appelait Abdou? Hein? Oui, papa. Est-ce que vous pensez encore à lui aujourd'hui? Est-ce que vous l'aimiez? Did you love him? Vous ne l'aimiez pas? You did not love him. On l'appelait comment? How was he called? C'était où? Where was he? La bonne. Attendez, je vois une femme avec Michael. Michael. I say woman Michael. With ça, Michael. C'est une communication. Michael. Michael. C'est communication. Michael. Michael. Please. Michael. Michael. Ah, c'est votre correspondant. Oui, papa. On l'appelle comment? Michael. D'accord, c'est de vous que je parle. On va arranger ça. Amen. Calmez-vous. Oui, papa. Vous l'aimez? Oui, papa. Pourquoi? Pas son caractère. J'ai vu que je suis comme Frédéric. Hein? Comme Frédéric. Oui, Frédéric. Oui, Frédéric, c'est aussi en français. Vous voulez quoi finalement? Michael ou Frédéric? Michael. Où j'ai pu entrer? Vous ne savez pas. Vous êtes. Vous attendez, attendez. Vous attendez, hey! Vous êtes, il y a François aussi. Il y a François. There is François. Il y a trois parents avec qui vous communiquez. Il y a François. Il y a Frédéric. Et il y a Michael. Oui, papa. C'est ça? Oui, papa. Et vous ne savez pas entre les trois qui vous dénonce. Oui, papa. Oui, papa. Est-ce qu'on peut l'aider? Can we help her? Des trois, Michael est le plus gentil. Papa. Oui, papa. Il est le plus attentionné. Oui, papa. He's more attentive. Hein? C'est le plus attentionné. Oui, papa. C'est celui qui peut dire que je t'envoie quelques euros. Je t'envoie. Oui, amen. Ça, amen. 300 euros. Amen. 250 euros. 500 euros. Maintenant, écoutez. Dieu. God. A vu votre souffrance. So your papa. Votre amen. Vie a été. Carré de déception. Oui, papa, oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Une carrière de déception. C'est vrai. A lot of disappointment. Et pas vous seulement, dans not votre famille. C'est la déception des femmes pleurent. Women cry. Et vous avez fait une prière à Dieu. Oui, vous papa. Avez dit, Seigneur, you said, Lord, laisse-moi aller pour aider. Let me go. La famille. To help my vous fermez leur bouche pour ce qu'ils croient. Oui, papa.
tu es un Dieu vivant. Oui, papa. L'ange de Dieu a privé ton prière et est monté avec vos chiens. Amen. Amen. Il y a un homme que vous avez connu, qu'on appelait Philippe. You've known who was called Philippe. Depuis longtemps. Oui, papa. Philippe. Philippe. Et cet homme. And that man. Dieu m'a dit, prie, elle partira, mais prie ce que Philippe a fait contre elle. Papa, amen. C'était un homme maléfique. Amen. Qui a pris quelque chose qui vous appartient? Je ne peux pas parler de ça parce que l'intimité. Je ne peux pas parler de ça. Vous avez des rapports et il a pris quelque chose de vous. Il est parti avec. Et il a fait quelque chose de dangereux contre vous. Depuis cette tâche-là jusqu'aujourd'hui, votre vie, c'est qu'il y a une épée pour briser vos relations. Vous avez été fatigué, vous avez dit à Dieu, maintenant je tourne mes regards vers les blancs. Peut-être là viendra le secours. Au nom de Jésus, je brise ce que... C'est vrai, papa. Amen. Amen. Regardez la femme. Je l'ai vu avec l'homme dont je parle. Il y a eu quelque chose. Ils sont allés quelque part. Et puis, quelque chose s'est passé. Vous êtes parti en laissant quelque chose de vous. Vous avez laissé quelque chose de vous. Vraiment, c'est un peu sensible. Je ne veux pas parler de ça. Et mais la Bible dit l'enchantement. Il ne peut rien contre Jacob. Ni la sorcellerie contre Israël. Nombre 23, verset 23. Comme je prie pour vous aujourd'hui, toutes vos malédictions seront changées. Oh, amen. In Jesus' name. J'avais un tissu pour ça qui change et qui vous a appartenu sortant du Tchad, quelque chose comme ça, un tissu comme ça, mais de couleur bleuâtre, hein? C'était, ça tendait au bleu, quelque chose comme ça. Lorsque vous recevez les choses, vous achetez les choses, vous achetez, vous avez un truc comme ça, de couleur bleuâtre. Il y a quelque chose, de couleur bleuâtre. Maintenant, je vous ai vu et. I saw you. Votre nom c'est. What is your name? Salamatu. Salamatu. C'est Salamatu. Salamatu. Tiaï, c'est quoi? Tiaï, c'est mon mari. Bon. Attendez, mentez. Demandez à votre mari. Ask your husband. Votre mari, oui, il est où? Where il est à la maison. Attendez, attendez. Il est ici. Is he here? Il est à la maison. Jaman, attendez. J'ai vu une femme. I saw a woman. Qui veut votre place? Who wants your place? On l'appelle Mayrama. She is called Mayrama. Alors je vous parle devant l'Éternel qui m'a appelé. Before the Lord who called me. Il y a une femme. There is a woman. Qui est en train de se battre. Who is fighting? Pour que vous sortiez. Maintenant, je vais out. Hein? C'est vrai. Maintenant. Now. La foi que vous avez eue venant du Tchad, ça c'est quelque chose de maléfique. It was something evil. Binaros, Manada. Attendez, attendez, attendez. Vous savez Aïe? Do you know Aïe? Est-ce que vous savez Aïe? Do you know Aïe? Aïe, oui. Oui, mon père. Hein? Oui, mon père. Elle est où? Elle a la brique. Vos rapports c'est quoi? Oh, you chanceux. Aïe, c'est une femme qui fait la visite. Vos rapports, c'est quoi, madame? Vous la connaissez comment? How do you sont déjà allé là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis là. Hein? Ce problème qui est dans mon foyer. Vous êtes allé là-bas grâce au problème qui a qui est dans mon foyer par rapport à Biba et avec mon mari. D'accord. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes venu ici pour retourner chez Aïe?
mon père, je suis venu pour la délivrance parce que j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Après, je suis venu dans Tchéaï. Non, mon père, c'est fini. J'ai fait la bénédiction de Dieu. D'accord, maintenant on va arranger ça. Parce que écoutez, quand vous êtes arrivé chez la femme ci, quand vous êtes arrivé chez elle, quand vous êtes arrivé chez elle, les choses qui se sont passées, elle a fait la voyance, elle a fait la voyance sur vous. Elle a vu votre maison. Quand elle a vu votre maison, elle vous a décrit la maison. Elle vous a dit qu'elle a la capacité d'arriver chez vous. C'est pour ça que je vous ai demandé si elle est arrivée chez vous. La réponse que vous ne savez pas. Je vous informe qu'elle est arrivée chez vous. Elle est arrivée mystiquement chez vous. Vous aviez un jupon noir. Il y avait une corde où vous séchiez, vous suspendiez. Mais le jupon aussi n'est plus là, ça a disparu. It is not more there. Sans que vous ne vous rendiez même compte. C'était un jupon que vous aimiez, qui était noir. Vous êtes allé chez Aï, rien n'a marché. Elle n'a pas pu arranger votre problème. Aujourd'hui, vous saurez qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a Madina. Si vous avez entendu le nom Madina. Non, mon père. Vous n'avez jamais entendu le nom Madina. Madina tout. Vous n'avez jamais entendu le nom Madina tout. Bon. Quand on va chez vous, je prends à partir du goudron. Je prends à partir du goudron. Le goudron. Il y a comme une station service. Vous êtes sur la station service, non? Vérité, où on vend l'essence. Vérité, total. Quand on traverse ça, il y a un carrefour devant. Il y a un carrefour. Au niveau du carrefour, il y a comme une boutique avec orange sur ça. Orange. Il y a une boutique écrit orange. Il y a une jeune dame musulmane dedans qu'on appelle Madinatu. Et votre mari va souvent faire le transfert dans la boutique d'Orange, si Orange Money. Vérité, mon père. Vérité. Bon. Vérité. Dieu vous délivre. Amen. Rentrez. Go back. Dieu vous délivre. Amen. Rentrez. Go back. Je cherche une autre femme, c'est une femme d'amour qui a un rapport avec le nom Maïmouna. Je veux prier avec vous. I want to pray. À vous, c'est Maïmouna. Oui, Maïmouna. Maïmouna, c'est Maïmouna, c'est votre ami. Il y a quelque chose chez vous. There is something. Vous êtes où? In your place. Where are you from? Tout. Then, Fumban, Jisse, Katin, Jisse, Fumban. Il n'y a pas de problème. There is no problem. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Now I reveal something to you. Je vais vous révéler quelque chose. I reveal something to you. Dans votre famille, dans votre village. In your family, in your village. Il y a une maison familiale. There is a family house. Dieu m'a montré une maison familiale. God showed me a family house. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le plan de cette maison familiale. I saw the plan of that family house. Maison. Est-ce que vous avez grandi chez vous? Did you grow in your place? Papa. J'ai vu une maison familiale. I saw a family house. Et je vais vous raconter une histoire. I'll narrate you a story. La maison familiale, j'ai vu une maison, centrale. Oui, papa. J'ai vu une maison centrale. Oui, papa. Avec deux portes. With two doors. Une porte en face et une porte derrière. On entre devant, on sort derrière. Oui, papa. Oui, papa. Et à côté, à gauche. Beside, j'ai vu une cuisine. I saw a kitchen. Oui, j'ai vu une petite, un petit bâtiment. I saw a little c'est papa. Une cuisine. Oui, papa. Mais c'est un vieux bâtiment. Oui, papa. Oui, papa. J'ai vu ça. Et j'ai vu une petite cour derrière. Oui, papa. J'ai vu la petite cour et j'ai vu comme un manguier. Like a mango tree. Oui, papa. J'ai vu un manguier. I saw a mango tree. Et après la cuisine. After the kitchen, j'ai vu quelque chose comme des toilettes. I saw something like toilet. Comme des toilettes externes. Oui, papa. External toilets.
Mais à l'heure où je parle, les toilettes ici sont déjà presque remplies. Oh, oui, papa. Et j'ai vu cette maison. And I saw this house. Et j'ai vu un tombeau. I saw a grave. Un vieux tombeau. An old grave. Qui crée les problèmes dans that votre famille? That creates problems in your family. Fire. Et dans le tombeau. And in that grave. C'est un de vos arrières. One of your arrières. Grand. Qu'on appelle Njoya. Called Njoya. Qui est mort et enterré là-bas. That is dead and buried there. Ah. Vous avez eu un grand-père qu'on appelait Njoya. Dame. Qui est mort. That is dead. Qu'on a enterré. And was buried. Maintenant, vous rentrez dans now, votre. Regardez. Look. Vous rentrez dans votre famille. You go back to your family. Vous demandez, dans votre famille, votre famille était musulmane. Was Muslim. Oui, papa, mon grand-père était musulman. Après, il est revenu. Les gens se sont christianisés. Oui, papa. Certains se sont christianisés. Some became Christian. Beaucoup. Les problèmes qui sont venus de votre famille ne viennent pas de la lignée chrétienne, mais de la lignée musulmane. I'm not coming from the Christians, but from the Muslim world. Oui, papa. Donc, allez dans votre famille. So go to your family. Dites-le que quelqu'un vous a dit, un prophète vous a dit que dans votre maison familiale, oui, papa, il y a un tombeau d'un grand-père qu'on appelait Njoya Ndam. C'est pas Dame. Oui, papa. On vous dira que c'était votre grand-père. They will tell you it was your grand-père. Et on vous dira aussi qu'il était guérisseur. They will also tell you he was a... Non, c'est... What is your name? Salamatu. Salamatu. C'est Salamatu. Salamatu. Tiaï, c'est quoi? Bien, c'est mon mari. Bon, attendez. Tiens. À la briqueterie. Vous êtes à la briqueterie. Oui. Hein? Mon père. C'est ce que je pense aussi. Est-ce qu'on peut aider la femme si vite? Can we have this woman first? Votre maison. Amen. Votre maison. J'ai vu un quartier. Et j'ai vu, en fait c'est la brique, et j'ai vu des maisons serrées, hein? J'ai vu des maisons serrées, j'ai vu, c'est comme une barrière, mais avec les tôles, hein? J'ai vu une barrière avec les tôles, ça c'est comme avant d'arriver chez vous, j'ai vu une barrière avec les tôles, j'ai vu un mur, comme c'est le mur cassé, mon ami les tôles, hein? Dans la maison, il y a une femme qu'on appelle Mayrama. C'est votre voisine. She's your neighbor. Vous savez qui qu'on appelle Abiba? Who do you know like Abiba? La femme qui avait mon mari. La femme qui avait votre mari. On l'appelle comment? Abiba. Abiba. La vérité. Ça, c'est une ennemie intime. Hein? Je l'ai vu chercher l'amitié. Je l'ai vu chercher l'amitié juste pour s'approcher et faire ce qui n'est pas bien. Il y a des choses que je ne veux plus parler dans la prophétie. Vous comprenez? Écoutez, vous n'avez pas d'amis. Votre mari, les gens voient son étoile. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a la main large. C'est quelqu'un qui aide. Et c'est ça que les femmes aiment en lui. Hein? D'accord. Vous avez quoi au pied? What are you having? Ah. Moraliser sa mère, je n'arrive pas à marcher. J'ai aussi la tension. Attention. Vous commencez à tourner attention. On bon, ça va, ça vous dérange. On a arrêté. Ça va, mais si on a arrêté quoi? J'arrête ce qu'on a arrêté. Père, au nom de Jésus. Démon de paralysie. Go! Démon de paralysie. Va-t'en au nom de Jésus. Go. Et retourne à l'expédition au nom de Jésus. Sors, madame, je vous commande au nom de Jésus. I command you. Levez-vous, marchez, vous allez. C'est la nuit de la victoire. La victoire.
Et quand vous êtes marché comme ça, marchez, allez-y. C'est l'Éternel qui l'a. Jésus qui vous a guéri. What are you telling Jesus? Merci. En passant par toi-même. Merci. Mais mon fils, peut-être vous ne m'avez remarqué plus. On habitait à un sous-sol. On habitait chez moi, ma Pauline. Ah bon, hein? Oui. Je ne me souviens pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que vous êtes venu. Mon Dieu! Qu'est-ce que vous promettez à Jésus qui vous a guéri? What do you promise to Jesus? Je serai avec lui, le servir jusqu'au jour qu'il va mourir. Wow! Hey! Allez raconter à votre famille que c'est Jésus qui vous a guéri. Hey! Vous avez dit, vous n'aurez plus jamais mal aux pieds. Merci. La nuit, merci. Si Dieu vous a donné la victoire sur vos ennemis. Dieu récolte vos tendons et vous délivre de tous ces médicaments aujourd'hui dans le nom souverain de Jésus. Tendez, au nom souverain de Jésus. Merci parce que tu lui accordes la guérison. Levez-vous, stand. Levez-vous. Marchez, c'est fini. Walk, it's fine. C'est l'Éternel qui vous a guéri. Ou à l'hôpital, j'ordonne la guérison de cette personne. Amen. J'ordonne la restauration de cette personne. Amen. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Amen. Que le paralytique marche. Que l'aveugle voit. Amen. Que le sourd entend. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Maman, vous êtes contente? Are you happy? Hein? Très contente. Qu'est-ce que vous dites à Jésus? What do you tell Jesus? D'abord vous, merci beaucoup à vous parce que j'avais hâte de vous voir. Vous aviez hâte de me voir. Moi, je savais que dès que je vous ai vu, je suis guérie. Wow, j'admire la foi de cette femme. Tu n'acclames pas pour cette foi. La fidélité à Jésus, il est tout pour moi. J'ai dit merci beaucoup Seigneur Jésus. La fidélité jusqu'à la mort, j'ai avec lui. Fidélité jusqu'à la mort avec Jésus. Allez raconter à votre famille qu'il est bon, notre Jésus. Et dites-leur tout le bien qu'il vous a fait. Acclamons pour cette délivrance. Jésus. In Jesus, j'annule la cataracte. I cancel cataract. Maman, bon. Le genou est cassé. Depuis quand? Since when? Ah ah.
que l'onction de mes genoux porte sur ses genoux. Amen. Hey, maman. Amen. Touche mon genou. Touch my knee. J'étais la béquille. Laissez la béquille. La béquille n'est pas votre amie. Throw the crutches. Mettez sur le genou cassé. Put on the broken knee. Genou. Mettez encore. Put again. Touchez encore. Touch again. Mettez encore. Maman, ça va. You are free in Jesus' name. Essayez de marcher sans béquille, on va voir. Try to walk without crutches. Maman, laissez. Go ahead. L'Éternel qui nous a aimés. Maman, pendant qu'on marche, vous êtes contente. While we are walking, are you happy? Qu'est-ce que vous promettez à Jésus? What do you promise Jesus? La fidélité jusqu'au jour où il va retirer son souffle. Wow, elle dit, elle lui promet la fidélité jusqu'au jour où il va lui retirer son souffle. Maman, cette guérison est scellée par le sang de l'agneau. Le diable n'aura plus jamais ce genou au nom souverain de Jésus. Amen. Allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. What Jesus has done for you. Bonjour peuple de Dieu. Suivant les témoignages bien-aimés. Il y a de cela presque un mois, j'ai chopé une grippe. Ça en est suivi une toux. Je me suis rendu à l'hôpital, j'ai eu à faire des examens de crachat. C'était négatif. On m'a prescrit la radio, j'ai fait la radio, c'était négatif. On m'a prescrit l'électrocardiogramme que j'ai fait aussi, c'était négatif. Franchement, j'étais désespéré parce que mon coffre était plein de médicaments de la pharmacie sans que je ne sache quoi mais faire. Mais la toux continuait toujours. Ça continuait, je ne savais pas quoi faire. Mais comme je suis toujours croyant, je priais chez moi et j'ai l'habitude de prier à partir de 23h voire minuit. C'est ainsi donc je me couche sur le lit et je fais. Je mets la radio, je suis comment pour prier, il demandait aux gens de poser la main. Je mets la main sur la radio, c'est comme si j'étais électrisé. Moulos. Absolument. Amen. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Puisque j'avais à côté de moi le pot, j'avais, à chaque fois il fallait pousser chaque 30 minutes. C'est ainsi que le dimanche suivant, je suis venu ici à la paroisse de mes frères et de toi, Meki. On nous a fait comprendre que la semaine prochaine c'était le culte familial. Et dit, bah, après avoir dépensé autant d'argent à l'hôpital, près de 65 000 francs, vous imaginez quand vous êtes déjà épuisé financièrement et qu'il vous reste un seul joker, le joker de 5 000. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ainsi que je m'en vais au culte familial, j'achète donc l'huile de faveur. Après le culte familial, je retourne à la maison. J'essaie de me rendre avec cela, j'essaie d'avaler aussi. Je me couche, le sommeil me prend. Je rêve que je suis en train de bagarrer et deux personnes sortent pour me venger. Et me venger vraiment. Voilà comment je tousse encore une fois de plus, je me lève. J'ai commencé de tousser de 15h jusqu'à 18h. Je ne faisais que rôter, retirer autant de choses dans le ventre. Moi, j'étais étonné après avoir passé 3 semaines dans l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, c'est comme si on m'avait vidé, on m'avait désinfecté complètement la poitrine, tout ce qu'il y avait dedans, rien absolument. La toux est partie. Croyez-moi vraiment, c'est là où j'ai compris ce que ça sert. Après avoir dépensé autant à l'hôpital, vraiment lui de faveur, c'est merveilleux. Le joker. Rends grâce à Dieu. Le joker. Amen. Mais on va acclamer Jésus.
Allons-y, 1 roi chapitre 19 verset 1 à 3. Je vais enseigner sur le mauvais héritage. Alléluia. Face à la menace, quand vous lisez la suite, la Bible dira que Élie va fuir jusqu'au mont Carmel, où il rencontrera Dieu. Il va dire à Dieu, je viens présenter ma démission. Et là, Dieu va lui dire, ok, va alors oindre Élisée, ton serviteur comme prophète, et toi, tu vas rentrer. Et c'est ce qu'il a fait. Allons-y dans Malachie 4, verset 5 à 6. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. De mauvais héritage. So we speak about bad inheritance. On a deux types de mauvais héritage. We have two types of bad. Il y a l'héritage spirituel. There is a spiritual. Et il y a l'héritage biologique. And there is a biological inheritance. Je vais commencer par l'héritage spirituel. Begin by the spiritual inheritance. Nous avons lu trois passages. We read three passages. Quand on reprend dans 1 roi 19 verset 1 à 3. In 1 Kings 19. Où tout le chapitre. La Bible parle de l'histoire du prophète Élie. The Bible speaks about the story of prophet Elijah. Élie est un prophète rare. Elijah was a rare prophet. Il est parmi les rares personnes qui n'ont pas de tombeau parmi les hommes. The rare prophet that have no grave. Il a eu un ministère resplendissant. He had a splendid ministry. Et il a remporté toutes ses batailles. And he overcame all his battles. Sauf une. Only one. Le roi Achab était un roi qui ne craignait pas Dieu. King Ahab was a king that did not fear God. Et le roi Achab était un roi méchant. And the king Ahab was a wicked king. Mais il avait aussi un ennemi. But he also had an enemy. C'était le prophète Élie. Was prophet Elijah. Et donc le prophète Élie. And the prophet Elijah. Était aussi ennemi de tous les prophètes du roi Achab. Also an enemy of all the prophets of King Ahab. Qu'on appelait les prophètes de Baal et d'Astarté. Who was called the prophets of Baal. Et il les a tués en un seul jour. And he killed them in one day. Près de 850 faux prophètes. Close to 850 prophets. Élie les a égorgés. Slaughtered them. Et la Bible dit que Achab est rentré chez lui fâché. And the Bible says Ahab went back to his. À cause de ce que Élie seul avait fait. Because of what Elijah alone. Il avait détruit 850 prophètes qui adoraient le diable. He destroyed 850 prophets who worshipped. Et il avait vaincu le roi Achab. And he conquered King Ahab. Et Achab s'était reconnu vaincu. And Ahab won himself conquered. Il est rentré chez lui abattu. And he went back to. Parce que le prophète l'avait battu. Because the prophet had conquered. Mais lorsqu'il arrivé à la maison chez lui. But when he arrived his house. Il avait une femme qu'on appelait Jezabel. Had a wife called Jezebel. C'était une femme perverse. It was a perverse. Une femme qui ne craignait pas Dieu. A wife that did not fear. Et c'est elle qui dit. Son mari. And she was the one directing dans la foi de l'idolâtrie. In the ways of idolatry. C'était une femme dangereuse. It was a dangerous. Elle appartenait à une espèce de femme rare. She had belonged to a species. Une espèce d'une méchanceté notoire. A species of a notorious wickedness. Elle a dit à son mari. And she told her husband. Ton problème, je l'achète. Your problem, I buy it. Je deviens l'ennemi du prophète Élie. I become the enemy of prophet Elijah. Et je me vais contre le prophète Élie. She rose up against prophet Elijah. Et il y a une guerre spirituelle entre. A spiritual war among the spirit qui animait Jezabel. The spirit in Jezebel's life. A mis Élie en danger. Put Elijah in danger. Et le prophète Élie s'est senti en danger. Prophet Elijah felt himself in danger. Et il a fui devant une femme. And he ran. En fait, c'est pas devant la femme qui fuyait. In short, it was not in front of the woman. C'était devant l'esprit. It was in front qui animait Jezabel que le prophète avait fui. That the prophet ran. Mais souvenez-vous qu'il avait vaincu le roi. But remember, he conquered. Qu'il avait vaincu 850 faux prophètes. He conquered 850 fake prophets. Ça dit 850 démons. That is 850 demons. Mais devant Jezabel. But in front of Jezebel. Il a déclaré forfait. He ran. Il a fui jusqu'à la montagne de Dieu. He ran to the mountain of God. Il a dit à Dieu, il y a une femme qui me suit. He told God there is a woman. Je ne peux pas continuer à prophétiser. I can't prophesy again. Trouve-toi un autre prophète. Find yourself another prophet. Je suis venu démissionner. I've come to resign. C'est chaud sur moi. It is hot on me. C'est mauvais. It is bad. Il s'est caché. He hid himself. Dans les creux du Mont Carmel. In the caves of Mount Carmel. À cause de qui? Because of who? Jezabel. Jezebel. Le grand prophète Élie. The great prophet Elijah. Avait été pourchassé et chassé par une femme. Was followed by a woman. Par l'esprit qui animait une femme. By the spirit that was living in. Et il avait fui. And he ran. Et il avait démissionné. He resigned. Et Dieu lui a dit, OK, il n'y a pas de problème. And God told him, okay, there is no. On va voir une solution à cela. Il est parti. He went. En laissant une bataille inachevée. Living an Il est parti battle. En laissant un ennemi. He left.
vivant. Living a living enemy. Il n'avait pas achevé la bataille. He did not complete the Il battle. N'avait pas fini le devoir. He did not finish contre the l'esprit de Jézabel. Against the spirit of Jezebel. Dans Malachie 4. In Malachi chapter 4. Verset 5 à 6. Verse 5 to 6. Dieu parle. God speaks. Et il dit, and he je says, vous enverrai Élie. I will send you Elijah. Et il viendra préparer la voie du Seigneur. And he will come to prepare the way of Et il amènera les cœurs de fils vers leur père. He will bring back the hearts of sons to Et dans Matthieu 14, verset 12, in Matthew 14, Jésus-Christ va expliquer. Jesus Christ will explain. Avant 14, il dira. He will say before verse 14. Si vous voulez le savoir, if you want, l'Élie dont Malachi parlait. The Elijah Malachi was c'est qui? Of, who is he? C'est Jean Baptiste. It is John the Baptist. C'est lui Élie. He is Elijah. N'attendez plus Élie. Don't wait for Jean Baptiste est venu. John the Baptist. Jésus dit sous l'esprit et la puissance d'Élie. Under the spirit and the power of Elijah. Non, Jean Baptiste était so Élie. John the Baptist was Elijah. Voilà pourquoi Jean Baptiste s'habillait comme Élie. That is the reason why John the Baptist was dressed. Il habitait like dans Elijah. Le désert comme Élie. Living in the wilderness like Elijah. Il se nourrissait de miel sauvage mais de sauterelle comme Élie. With honey. Pourquoi? Like Elijah. Why? Parce que l'esprit d'Élie était sur lui. Because the spirit of Elijah was on him. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Now I want to explain you something. Lorsque Jean Baptiste naît, when John the Baptist is born, dans le ventre de sa mère, from his mother's womb, Dieu le baptise de l'esprit de qui? God baptizes him with the spirit of who? Elijah. Hein? Vous souvenez, Élisée demandera à Élie, donne, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je te prie. La double portion de ton esprit, Beruaka. Ton esprit. Donc, l'esprit d'Élie est tombé sur Jean-Baptiste. On John the Baptist. La différence entre Élisée et Jean-Baptiste, the difference between Elisha and John the Baptist, c'est que Élisée a une portion du manteau d'Élie. Is that Elisha had a portion of the mantle of Elijah. Mais Jean-Baptiste, but John the Baptist, tout l'esprit d'Élie est sur lui. All the spirit of Elijah is on him. Il est l'Élie. He's the Elijah that Malachi speaks of. Mais il faut comprendre chose. But you have to understand. Il a hérité de l'esprit d'Élie. He inherited of the spirit of Elijah. Il a aussi hérité de l'héritage spirituel du prophète Élie. He also inherited of the spiritual inheritance of prophet Elijah. Quand vous héritez d'un homme, when you inherit spirituellement, spiritually, vous héritez non pas seulement du côté positif de sa vie, not just of the positive mais vous héritez aussi du côté négatif de sa vie. Also dans l'esprit d'Élie, so the spirit of Elijah a erré pendant près de 400 ans. And for more than 400 and et lorsque Jean-Baptiste est né, and when John the l'esprit d'Élie qui errait est revenu. Elijah came back dans Jean-Baptiste. In John the Baptist. Élie est ressuscité à travers Jean-Baptiste. Elijah was resurrected through John the Baptist. Mais Jean-Baptiste recevait un héritage. John the Baptist received an inheritance. Qui était bon et that mauvais. Was good and bad. Pourquoi? Why? Parce qu'en héritant de l'esprit d'Élie, because inheriting of Elijah, il héritait aussi des problèmes d'Élie. He also inherited of Elijah's problems. Il héritait des batailles d'Élie. He inherited Elijah's battles. Et donc il a hérité. And so he inherited. De la bataille qu'Élie n'avait pas achevé. That Elijah did not complete. Comme l'esprit d'Élie et l'esprit de Jézabel. Since the spirit of Elijah and the spirit of Jézabel. En guerre dans le roi 19. In 1 Kings 19. Quand l'esprit d'Élie est revenu parmi les hommes, when the spirit of Elijah came back amongst them, dans Jean Baptiste, in John the Baptist, l'esprit de Jézabel est aussi revenu. The spirit of Jezebel also came back. Dans une autre femme qu'on appelait Hérodias, in another form called Herodias, et la guerre entre Élie and the war Jézabel qui n'était pas finie dans 1 Roi 19, that was not completed in 1 Kings 19. Cette guerre devrait s'achever dans Matthieu 14. That war was to be completed in Matthew chapter 14. Lorsque vous héritez d'un homme de Dieu, when you inherit of a man of God, vous héritez, you inherit, de la grâce de Dieu dans sa vie, of the grace of God in his life. Mais s'il y a des batailles inachevées dans sa vie, but there are uncompleted battles in his life. Laissez-moi vous annoncer que vous héritez aussi de ces batailles. Let me announce you, you also inherit those battles. Jean-Baptiste a hérité de la bataille que Élie n'a pas achevée. The battle that Elijah did not complete. L'esprit de Jézabel est revenu trouver lui aussi. Une autre femme qu'on appelle Hérodias. Also came to find another woman called Herodias. Et que même qu'Élie et Jézabel étaient en guerre. And as same as Elijah and Jezebel. Jean Baptiste et Hérodias étaient en guerre. John the Baptist and Herodias were in war. Et malheureusement pour Jean Baptiste. And unfortunately for John the Baptist. Il n'a pas pu vaincre l'esprit d'Hérodias. He could not conquer the spirit of Herodias. Et cet esprit l'a décapité. And that
spirit beheaded him. Et il a connu la mort précoce. And he went through premature birth. Pourquoi? Why? C'était un mauvais héritage. It was a bad inheritance. Qu'il a hérité du prophète Élie. And he inherited from prophet Elijah. Mais si le prophète Élie, but the prophet Elijah, avait tué Jézabel, had killed Jezebel, Jean-Baptiste ne serait pas décapité. John the Baptist would not be beheaded. Il n'aurait pas cette guerre. They wouldn't have that war. Vous devez savoir une chose. You must know one thing. Beaucoup de parents ne comprenant pas ce principe spirituel. A lot of parents not understanding this. Les enfants que nous accouchons, the children we put to birth, héritent de nos batailles. Inherit of our battles. Tant que tu ne vaincs pas les hommes forts de ta vie, as long as you don't conquer the strong men of your life, ils combattront tes enfants. They will fight your children. C'est un principe simple. It is a simple principle. Si ton ennemi, if your enemy, il reviendra chercher tes enfants. Will come back and look for your children.